Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, d'après Tania de Montaigne, d'après son roman. Et c'est dessiné par Émilie Plateau aux éditions d'Argo. Donc, ça va nous raconter l'histoire de Claudette Colvin. Donc, Claudette Colvin, en fait, c'est une afro-américaine adolescente qui a refusé de céder sa place à un blond dans un bus. Alors, vous allez me dire, ah, mais ouais, comme Rosa Parks. Non. Rosa Parks est venue après. Elle, en fait, c'était la première à manifester son mécontentement et à manifester tout court. Mais elle a toujours été mise en arrière de la scène pour divers motifs qui restent plus ou moins flous. Par exemple, on dit qu'elle était de mauvaise famille. On dit aussi bah, elle était enceinte à un moment par un blanc, donc il fallait pas la montrer, etc. C'était un peu la honte, etc., etc., etc. Alors que Rosa Parks était une femme couturière, travailleuse, bien, etc., etc. C'est Rosa Parks qui a fait remonter justement l'histoire de Claudette Colvin, hein, parce qu'elle était dans une association qui défendait les Noirs américains. Donc voilà. Au niveau du dessin, c'est très minimaliste. Donc en fait, on a des petits personnages dessinés. On tourne la bande dessinée. Regardez, c'est des petits dessins à chaque fois. Après, les bâtiments sont énormes, mais les personnages sont tout petits. Ça se lit très bien. Hein. C'est une forme de lecture, un dessin minimaliste qui passe bien. Par exemple, là, c'est la scène où. Par exemple, un blond demande son siège à une afro-américaine, voilà. Et du coup, ce petit dessin-là apporte quelque chose de nouveau, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Je trouve ça très sympa. Et puis, c'est les couleurs orangées, ça montre à chaque fois l'action. Alors, par exemple, là, vu que c'est les afro-américains le thème, ben, on les voit coloriés en orange. Là, on voit que les blancs cassaient les magasins ou les maisons des afro-américains, donc c'est en orange, etc. Donc, ça véhicule aussi l'action, on va dire. Ce qui se passe. Donc voilà, je le classe moi dans les romans historiques, on va dire, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses et récits de vie. Et donc voilà, et ça m'a permis aussi de me renseigner sur Claudette Colvin, et c'est assez intéressant, voire très intéressant. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.